Caro Keraland présente Caro Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez des émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, où Escape Game, réalité virtuelle et Maison de la Peur vous offrent un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Caro Coco Recept dans nos espaces privés Lounge. Séjournez chez Caro Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Caro Keraland, le cœur de tous vos loisirs. Guyane, actualité. Nous sommes en Facebook Live, hein, longtemps réclamé mercredi. On a eu un petit bug mercredi. On a fait déjà un premier bilan avec l'office. Myrna Stanislas était avec nous. Et puis les membres du groupe Mayuri Choneg. Très belle discussion, savoir les acteurs même du carnaval de rue. Vous l'avez entendu, ils ont livré leurs sentiments sur le carnaval 2024. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie. C'est l'heure du bilan. On va plutôt parler du contenu dans un premier temps avec Raphaël Césaire, mais on va parler de la sécurité également avec Benjamin Boulet et Livio Léonceau. Bienvenue dans le Grand Forum. Nos invités, Benjamin Boulet, commissaire de police, chef du STSP, service territorial de la sécurité publique à la DTPN, Livio Léonceau, responsable de la police municipale, et Raphaël Césaire, coordinateur du carnaval pour la mairie de Cayenne. Messieurs, bonjour. Benjamin Boulet, bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Bienvenue. Livio Léonceau, bonjour. Bonjour monsieur Vernet, bonjour aux auditeurs. Raphaël Césaire, bonjour. Bonjour monsieur Vernet, bonjour aux auditeurs. Bienvenue sur Radio Pays dans le Grand Forum. C'est un grand forum auquel vous participez, chers auditeurs, au 05 94 25 76 25. Quel est votre bilan de ce carnaval? Plus ou moins bien, les plus et les moins, les critiques constructives, on est là. C'est dans le Grand Forum. Ce sera une question générale, et même à vous. De votre regard, même au niveau de la sécurité. Je vous pose cette question. Bilan général du carnaval 2024. Raphaël Césaire, quel est votre ressenti à la sortie de ce carnaval? Oh non, non, pour nous, au niveau mairie, bon, ça va. C'est pas trop compliqué. C'était un carnaval court mais intense. Donc il fallait le préparer le matin avec les vidées, l'après-midi le circuit. Bon, les services étaient présents. Ils ont su mettre en place ce qu'il fallait comme logistique pour le défilé se passe normalement. Donc pour nous, non, ça a été, non, pas trop de bobos. Très bien, donc bilan plutôt positif côté mairie de Cayenne. Oui, pour nous, oui, on dira ça. Très bien, on va rentrer dans les détails après. Alors, attends, deux secondes, hein, chers auditeurs, on va faire le tour de table d'abord, et ensuite là, un regard plutôt sécurité. Livio Léonceau, vous qui avez le regard aussi même sur le vidé, on va rentrer dans les détails du vidé tout à l'heure. Quel est votre bilan, de manière générale? De manière générale, un carnaval court, mais intense, hein, comme disait mon collègue. Nous avons été présents au maximum, hein, comme chaque année, en mettant en place un dispositif de sécurité pour veiller à ce que les gens puissent venir participer aux cavalcades, aux vidées, en toute sécurité. S'il se passe quelque chose, on sera en capacité d'intervenir très vite et apporter une réponse à tous les problèmes qu'on pourrait rencontrer. Benjamin Boulet, la même question pour vous. Un constat relativement similaire, un carnaval très court qui a duré un mois environ, des forces de police nationales pleinement engagées avec la gendarmerie nationale dans l'encadrement notamment des groupes à risque. Autre particularité cette année, un défilé carnavalesque du dimanche qui s'est tenu sur la rénovation urbaine. Donc c'est un quartier qui, pour nous, forces de l'ordre, dans lequel on n'a pas l'habitude de nécessairement intervenir, mais qui s'est, pour cette session, relativement bien passé dans l'ensemble. Ensuite, il faut voir la réalité en face. Des défilés du dimanche ponctués tout de même d'incidents, de rixes. On va en parler. On va en parler, j'imagine, mais quoi qu'il arrive, des forces de l'ordre au rendez-vous sur ces différentes éditions. Très bien, mettez le casque, les premiers auditeurs, et bien sûr on va parler beaucoup de l'aspect sécurité, et puis derrière les groupes et dans le vidé également. Allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur, Radio Pays. Bonjour, oui, c'est Radio Pays, oui. Bonjour à tous et toutes, je suis bonjour. Sabine, j'appelle concernant le Grand Blanc. Ah Oui, un peu. Dites-moi. Oui, j'avais pas mis ça dans mes sujets, mais allez-y, on est dans le Grand Forum. Allez-y. Qu'est-ce que vous voulez dire sur le Grand Blanc? Oui, donc c'est bien d'organiser le face-à-face. Il y avait énormément de monde. C'est bien, il y a une sécurité pour les voitures. Ils ont changé le trajet.
mais je demande aux responsables du Grand Blanc d'effectuer un effort concernant la route, parce que vraiment, c'était gymkhana, c'était des nids de poulets sur la route, le chemin qu'ils nous ont demandé d'emprunter. Ah. Et aussi, il y avait beaucoup trop de personnes derrière leur caisse. C'est-à-dire où on n'avait plus accès aux toilettes, il y avait trop de couples qui dansaient, trop de touloulous qui dansaient, on ne pouvait pas circuler. Donc, un revoir aussi. Alors, le face-à-face, à l'époque, c'était uniquement touloulous, d'après ce que j'avais compris. C'est compliqué, maintenant, ça. Maintenant, c'est non masqué et touloulou. Ouais, c'est... Alors, s'il y a face-à-face, ce sont les deux dancing qui se rencontrent, donc c'est uniquement touloulou. Ouais. Réfléchir aussi là-dessus. Oui, oui, oui. Ça, je crois que j'avais abordé ce débat-là il y a quelques années. La tradition aussi, ouais. Là-dessus. Oui, j'avais abordé. Sinon, félicitations pour le carnaval dans les dancing, même si je n'y vais pas. Mm-hmm. Mais j'ai bien apprécié l'ambiance des orchestres. Félicitations pour tous les orchestres. Très bien. Surtout Nana, vous avez fait revivre Nana aussi. Mm-hmm. Mais il faut Nana le samedi. Le jeudi, c'était très bien, mais il faut Nana le samedi. Très bien. Puis, merci. Merci beaucoup. Au revoir et merci pour le grand forum. Merci, avec plaisir. J'avais fait un débat, effectivement, avec le propriétaire du Grand Blanc, en lui disant, mais où c'est masqué, où c'est pas masqué. C'est compliqué entre celui qui est masqué, celui qui est pas masqué. Effectivement, bon, après, il m'avait fait une réponse comme ça. C'est lui le propriétaire. Il est grand, il fait ce qu'il veut là-dessus, donc voilà. Concernant le Grand Blanc, justement, avant les prochains auditeurs, vous avez un œil, j'imagine, parce que là, c'est beaucoup de voitures sur sur Macouria. Est-ce que... Non, c'est pas vous, du coup. Alors, Macouria est tenu par la Gendarmerie Nationale. Ok, très bien. Mmh. Sur les problématiques de stationnement, on rencontre des problématiques similaires sur Cayenne. D'accord. Aux abords des différents établissements. Ok, on va y revenir. Allez, on enchaîne. 25, 76, 25. On prend quelques auditeurs et ensuite, je vous pose mes premières questions. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, allez-y. Oui, très beau sujet. Merci. Alors, moi, j'ai une question. Quelle est la direction qu'on veut donner à notre carnaval? Est-ce que c'est une direction touristique? Ou culturel. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup de choses ont changé et il y a beaucoup de parades. Mais à quoi bon avoir des parades dans toutes les communes s'ils ont les mêmes costumes? Parce que quand on se déplaçait pour voir quelque chose de nouveau, et on retrouve assez souvent les groupes avec le même déguisement. Donc à quoi ça sert? Les parades le samedi, le dimanche, donc du coup, comme vous dites, ça déshabille les communes. Ouais. J'ai l'impression que tout le monde veut faire comme ils veulent. Et comment est-ce qu'on veut que les autres nous respectent? Comment est-ce qu'on veut donner une valeur à notre carnaval si nous-mêmes ne nous respectons pas? On parle de tradition. Bien avant que Vaval arrive, normalement, c'est quand Vaval arrive qu'il y a des soirées. Les soirées commencent avant l'arrivée de Vaval. Ouais. Et normalement, nous, Boulé, Vaval, il pas bien soirée. Nous, bien, c'est quand le mercredi soir. Donc, quelle valeur nous voulons donner à notre carnaval, vraiment? Donc, comment est-ce qu'on veut être respecté si nous-mêmes, on ne peut pas parler concrètement de la tradition? Pourquoi est-ce que chaque personne a sa version de la tradition? Vous avez posé toutes les bonnes questions. On va débattre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Effectivement, vous l'avez entendu en préambule avec Malik. Allez, on enchaîne avec nos auditeurs, on va parler de tout ça. Mais là, c'est la partie Raphaël Césaire. Allô, bonjour. Allô. Allô. Oui, bonjour, allez-y. Allô. Oui, c'est à vous, allez-y. Oui, bah alors, bonjour sur le plateau. Bonjour. Oui, très bonne émission pour débriefer le carnaval. Justement. C'est ça. Donc, moi, la question que je pose, c'est pour... c'est sécuritaire. Mm-hmm. Donc, c'est vrai que je trouve que les policiers et les municipaux. Respect à eux, parce que c'est pas facile, je suppose, parce qu'ils ont d'autres choses à faire. Donc je sais pas si c'est compris dans leurs engagements, mais ils sont obligés de le faire par rapport aux dégâts. Donc vous voyez déjà l'image qu'on donne du carnaval en Guyane. Moi, c'est la première fois que je vois ça. Vous allez aux Antilles ou en Martinique-Guadeloupe, vous n'allez jamais voir des policiers derrière des groupes. Et vous voyez les déboulés de Guadeloupe et de Martinique, ils sont au moins 500, vous n'allez pas voir de policiers. Vous allez voir des policiers autour, mais pas derrière les groupes. Donc, moi, je dis respect à eux. Et moi, je reviens sur... je leur pose la question, surtout, est-ce que ce ne serait pas mieux? Parce qu'il y a un monsieur qui est passé hier, chez Mali. Oui. Il a donné une bonne idée de faire un circuit fermé pour la grande parade, c'est-à-dire bloquer la deux fois deux voies.
je pense que ça sera mieux. Il n'y aura plus personne derrière les groupes. Et les policiers pourront se reposer. Voilà. Bon, on va voir ce qu'on pense Rafa sur ce blocage de fois de voix. Je ne sais pas si c'est la bonne idée, mais bon. Allez, un dernier auditeur dans un premier temps. J'ai bloqué le standard, je vais réouvrir tout à l'heure. Allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Il n'y a pas de dame sur le plateau. Non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Ouais. Alors, pour Rafa, comme la ville capitale, on veut absolument rien décentraliser, moi ce que je propose, parce qu'il faut être force de proposition. Personne n'a dit ça aujourd'hui sur le plateau. Hein. Ah, de toute façon, vu la tournure des causements, à quoi ça va être abattu? Continue. Donc, alors, je fais ma proposition. Continue, je vais rajouter. Si on fait un truc touristique, je parle bien, touristique, moi ce que je propose, comme c'est la ville capitale, qu'on fasse la ligne droite. Tu veux dire, le vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jusqu'à la clôture, ça se fait uniquement sur Cayenne. Donc, il peut avoir un dimanche, surtout l'année prochaine, il y a plusieurs dimanches comme je l'ai expliqué, il peut avoir un dimanche, un autre dimanche sur Cayenne, mais on sait maintenant que la ligne droite, ce sera réservé que la ville capitale. Et en attendant, et après, les autres dimanches, c'est que ça se passe comment? Les autres dimanches, on répartit ça avec toutes les communes qui sont prêtes à faire le jeu. Tu sais pourquoi? Dis-nous. Parce que ça va, il y a des jeunes dans les autres communes. Et ça peut les donner l'engouement s'ils voient qu'on s'intéresse à leur commune. Ça, c'est mon idée. Hein. Oui, pas c'est la vérité. Écoute, c'est intéressant. Moi, c'est ce que je propose. Et pour, ça veut dire samedi avec le village sur Nana. Et là, ça va permettre aux agences qui font les promotions pour le carnaval de Guyane, proposer une entrée chez Nana le samedi. Et ils ont cette ligne droite où ils pourront le faire sur la ville de Cayenne. Je laisse la place aux autres. Ok, très bien. De toute façon, j'ai bloqué le standard. Je vais réouvrir tout à l'heure. Moi, la difficulté, je rentre dans le débat maintenant. La difficulté de tout ce que vous proposez, c'est que quel que soit le déplacement en commune, ça sera toujours les groupes de Cayenne. Voilà. Parce qu'il y a des groupes, il y a des communes, ils n'ont pas de groupe, quoi. Mais je comprends le fait d'emmener du spectacle dans les communes. Mais bon, bref, c'est le débat. Rafa, sur ces questions-là, et ensuite on pense à la partie sécuritaire. Que le monsieur disait, à un moment, on en a discuté, on en a parlé un moment. Ouais. Pourquoi pas chaque week-end être dans une commune? Ouais. Par exemple, ce week-end-là, tout le monde monte à Saint-Laurent, l'autre week-end, tout le monde monte à Sainte-Marie, l'autre week-end, tout le monde va à Kourou. Mais là aussi, il faut une organisation. Mais c'est des moyens, c'est des moyens bus énormes. Pour des... Ça veut dire qu'il faut que la commune puisse absorber ça. Tu ne vas pas demander à Rabon, Bonhomme, tous ces... Fait même pas, quel que soit le groupe, d'investir pour pouvoir aller dans la commune. Il faut que la commune arrive à absorber financièrement, flux de personnes qui va monter chaque week-end. Il faut que ça soit dans une commune. Ça va coûter cher aux petites communes. Très cher. C'est très costaud. Ben oui. C'est pas une mauvaise idée. Et puis il faut les infrastructures pour accueillir tout le monde. Il faut accueillir tout le monde. Depuis le matin, où il y en a un qui avait proposé, par exemple, depuis le samedi, faire un marché, faire une animation, et puis basculer le dimanche. Mais là aussi, il faut toute une structure, il faut les restaurations, il faut l'hôtellerie, il faut un peu de compliqué, tout. C'est compliqué, mes amis. J'ai eu une discussion, je vais être honnête avec vous, avec les groupes qui sont allés dans certaines communes. Ils nous ont dit qu'ils ont joué le jeu, mais c'était pas simple. Ils ont joué le jeu pour faire plaisir aux gens. Voilà. Mais quand vous êtes une commune où il y a très peu d'habitants, mais c'est tout Cayenne qui se déplace. Donc des fois, j'ai presque envie de dire à quoi bon. Voilà, bon, ça c'est moi qui dis ça. C'est comme la dame tout à l'heure qui disait, bon, il y a un peu partout. Ouais. Maintenant, chaque maire, chaque commune veut faire sa parade, veut mettre son animation. Ouais. Donc, chance pour nous sur Cayenne, ils le font le samedi. Ouais. Heureusement, parce qu'il y a une époque où on le faisait le dimanche. Et c'était déshabillé Saint-Pierre, par exemple, Saint-Paul, parce que c'était les groupes qui montaient de la commune. Là, maintenant, ils ont choisi de faire le samedi, donc ça nous arrange, nous, Cayenne, les groupes soient là. Voilà. Mais pour eux aussi, c'est pareil. Aller à n'importe quelle commune, après, il faut le retour la nuit. Bien sûr. Ça rentre à 2h, 3h, 4h du matin. Bien sûr. Et ils ont le défilé le dimanche après-midi. Donc, ce n'est pas simple non plus pour les groupes. Et puis, il faut des costumes. Et il faut des costumes. Bon, voilà, on est au cœur du débat. Côté sécurité, maintenant, on va y aller. On va revenir sur les jours gras après, qui est une pauvreté aujourd'hui, franchement. Disons les choses franchement, on y revient. Sur le vidé, et là, c'est une question pour M. Léonceau ou même Benjamin Boulet. Sur le vidé, c'est là, on va dire, c'est plus ou moins bien passé. Franchement, ça s'est bien passé.
Sauf qu'on remarque depuis quelques vidéos, Livio Léonceau, ceux qui veulent se chauffer un peu. Vous voyez, je suis assez prudent avec mes mots. Voilà. Ceux qui veulent se chauffer un petit peu, en général, ils sont derrière. Et là, j'ai vu sur deux ou trois vidéos, ça glisse tout doucement devant et ça commence à bousculer devant, alors qu'il y a des enfants, les familles, etc. Comment y remédier, Livio Léonceau? Alors, sur les vidéos, effectivement, le petit groupe d'agents qui viennent pour faire de la sécurité préconise aux jeunes qui veulent se bousculer de se mettre à l'arrière et de laisser les personnes qui veulent, comme on dit, voler leur vidéo tranquillement, se mettre sur les côtés et à l'avant. Oui, des fois, un petit groupe parasite arrive à rentrer à l'avant et bouscule. Ils sont très vite repris par les personnes qui sont sur place ou par les agents qui sont à l'avant, leur demandant d'aller à l'arrière. Et même, par moments, il n'est pas surprenant d'entendre le chanteur, hein, de leur dire, stop, de dire au costaud d'aller à l'arrière, on les attend. Et généralement, c'est ce qui se passe. Les gens les poussent eux-mêmes à aller à l'arrière. Si vraiment ça ne bouge pas, on a un petit groupe d'intervention qui vont les voir. Ils se connaissent tous. Hein, oui, bien sûr. C'est toujours la même qui sont dans le vidé, en disant non, ce n'est pas le bon endroit, viens à l'arrière si tu es costaud, si c'est ce que tu veux faire. Viens te mettre à l'arrière et là, tu auras de quoi faire. Donc à l'arrière, ils sont observés, encadrés. On filme également. Donc on sait très bien qui c'est et quand il se passe quelque chose. Il y a une espèce d'autogérance qui s'installe avec les anciens et les plus jeunes et on arrive à contenir un petit peu les débordements et risques qui peuvent y arriver. Alors, moi, un message hein, pour ceux qui nous... Je sais que Optimus nous écoute. Optimus, c'est un gentil costaud. Ouais, donc, il n'y a aucun problème. Et on l'a reçu d'ailleurs dernièrement. Il nous a expliqué qu'ils ne sont pas méchants. Oui, non, on sait. Sauf que, simplement, moi, je fais passer un message. Le vidé, c'est depuis 2012 hein, que tu as remis ça. Depuis 2012, oui. Vidé du dimanche matin. Matin, oui. OK. Ça s'est toujours bien passé. Toujours. Et effectivement, ceux qui se bousculent un petit peu sont toujours derrière. C'est cette année que je commence à voir des jeunes glisser. Et effectivement, je vois la gestion, stop, machin, etc. Les jeunes qui nous écoutent, ou Optimus, fais passer ce message-là auprès des camarades, ou même notre camarade de Zadkiel, qui nous écoute, voilà, qui est élu aujourd'hui, qui est un homme responsable, qui l'a été même avant, c'est pas un problème. Les amis, laissons le vider 5h du matin comme ça. Vraiment, il y a des familles, des gens viennent avec leurs bébés, c'est magnifique. Et vous voulez vous chauffer, restez derrière, pour de vrai. Pas même Vinny Douvan. Surtout que, de plus en plus, il y a des sponsors, des entreprises qui tiennent à se vider de 5h du matin. Bien sûr. Ils ne veulent pas qu'on perde cette tradition-là. Bien sûr, Donc là aussi, il faudrait qu'on respecte quand même ceux qui nous le proposent le dimanche matin. On est d'accord. Donc voilà, là, c'est le message qu'on fait passer. Benjamin Boulet, autre chose, lorsque le carnaval se termine, souvent, derrière les grands groupes, et puis notamment Cassia Latta, hein, c'est le groupe qui vraiment envoie de la chaleur, Mayu Richoneg aussi, la bande des copains, j'ai entendu aussi. Il y a souvent, après le carnaval, des démordements, des fois ça va trop loin. Comment, et là aujourd'hui, on est en 2024, c'est un phénomène qui revient, ça s'était calmé hein, au début du carnaval, et là ça revient. Vous qui avez l'expérience, comment dans le futur on peut gérer ce genre de choses-là? Alors, vous parlez bien de la fin de l'événement. La fin de l'événement. D'accord, une fois que le circuit est fermé. Exact. Ouais. Effectivement, une fois que le circuit est fermé, nous avons malheureusement des groupes qui continuent à jouer et qui continuent à cheminer sur Voltaire notamment et qui drainent un certain nombre de personnes qu'on va appeler voltigeurs et qui causent un certain nombre de troubles, des rixes assez violentes. C'était le cas notamment lors des deux jours gras, mardi et mercredi. Ouais. Ce qui impliquait pour nous de faire usage d'armes de force intermédiaire, notamment des gaz lacrymogènes. C'est regrettable, ça ne doit pas se passer. Pour faire simple, sur la fin de l'événement, pour nous, l'idée c'est d'occuper le terrain au maximum. Une fois que les frontières de police qui encadrent les groupes à risque sur le cheminement du carnaval ont terminé cet encadrement, ils remontent rapidement sur roue et vont se déployer dans le centre-ville pour éviter qu'on ait des méfaits qui soient commis sur le centre-ville. Pour nous, l'enjeu, c'est d'occuper au maximum le terrain, mais malheureusement, le périmètre est très vaste. On a eu notamment le mardi soir une coupure de courant dans l'ensemble du centre-ville, notamment sur la place des Palmistes, ce qui nous complique la tâche. Donc on essaye, nous, d'avoir un maillage territorial le plus fin possible, d'occuper au maximum l'espace, mais vous aurez compris, la tâche n'est pas facile. La tâche est ardue, car les groupes à risque se répandent sur tout le centre-ville. Et pour nous, intervenir et être présent au sein de chacun des groupes pour éviter les rixes, c'est une tâche qui est compliquée. Police municipale, quand
la parade est finie, en tout cas la cavalcade est finie. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, vous êtes encore sur le terrain? Absolument. Ouais. Hein, les équipes montantes et descendantes s'actionnent. Hein, il les renfort également. On a une vigilance toujours en collaboration avec la PN sur une sécurisation des palmistes et des abords. Puisque nos jeunes, une fois que l'orchestre phare dans lequel ils sont ou qui suivent ont terminé, ils redescendent sur palmistes, soit pour se restaurer, ou pour rencontrer des camarades, ou pour discuter, ou espérer encore faire la fête s'il y a une animation. Donc nous, on a des patrouilles portées sur roues qui sécurisent les abords et palmistes. Et on intervient par radio ou en se met en collaboration avec notre CSU et le SIC pour pouvoir... tout événement qui se passe ou des jeunes qui se regroupent pouvoir intervenir de façon à ce que le débordement ne prenne pas de l'ampleur. O News Radio sur outremernews.fr.